Et donc, tapot troisième case, on commence mi mineur, si mineur, ré, la mineur, pour les deux premières phrases, la rythmique. Donc, bas, haut, au bas, haut, au bas, au bas, haut. Bas, haut, au bas, haut, au bas, au bas, haut. On change d'accord. La même rythmique tout le long de la chanson avec quelques variations que je vous ferai. Et donc les accords mi mineur, bas, haut, au bas, haut, au bas, au bas, haut, si mineur, bas, haut, au bas, haut, au bas, au bas, haut, ré, la rythmique on va la faire deux fois. La mineur. On va avoir un sol enchaîné avec un 6/7. Donc ça fait sur le sol bas, haut, sur le 6/7, bas, haut, au bas, au bas, haut. Et on repasse sur un do. Je refais donc. Sol 6/7, après on va avoir Do, on va faire la rythmique une seule fois, un Ré, on va faire la rythmique deux fois, et on finit avec un La mineur. Et il me semble qu'on fait la rythmique aussi deux fois. Et après on va recommencer sur, comme le premier couplet, avec Mi mineur, Si mineur, etc. Donc je vais vous faire le premier couplet une fois, puis après je passerai sur le refrain. Fois la rythmique. Sachant que quand on joue les Ré, il y a deux Ré dans le premier couplet, le troisième accord et le 6/7, je sais plus. Soit on peut jouer un D6/4 en rajoutant le petit doigt sur la troisième case de l'accord de mi aigu. Comme ça, ou en jouant un D6/2 en enlevant le majeur sur la deuxième case de l'accord de mi aigu. Sachant qu'on peut faire après un meilleur on. Pareil sur cette deuxième case. Donc ça fait. Ça, c'est à vous de voir en écoutant la musique. Voilà pour le premier couplet. Le second, on a pareil, sauf qu'on joue pas le La mineur à la fin. Et donc ça finit comme ça. On finit par en Ré donc. Et on passe sur un sol, toujours la même rythmique. Là, on va avoir un La mineur. Enfin, je sais pas le nom exact de l'accord, c'est comme un La mineur, sauf qu'on vient pas jouer, on vient pas mettre l'index sur la deuxième, sur la première case, pardon, de l'accord de Si. Sol, même rythmique, haut, au bas, haut, au bas, au bas, haut, La mineur, donc ce que je viens de vous expliquer sans l'index, donc on va appeler ça un La, non ça va être un La septième ou un truc comme ça, non La septième c'est comme ça, je sais pas exactement, donc en gros c'est les cordes Ré et Sol de la case 2 qui sont jouées juste, donc ça fait Sol. La bizarre, Do, Sol, et là on va voir le même
même passage que lors des couplets, c'est-à-dire le sol avec un 6/7. Après on enchaîne sur un do. Ré. Un ré sus 4. Donc je vais rejouer une fois le refrain parce que je suis pas sûr que c'est ce que j'ai dit soit bien clair. Et donc ça donne. Ah, je me suis trompé, donc c'est pas un La mineur, c'est juste un La bizarre. Et le La bizarre, ça va être le nouveau nom de cet accord d'ailleurs, il faudra le noter partout. Au cas où il revienne. Et donc je recommence encore une fois, ça va faire 4 ou 5, c'est pas grave. Alors, comme ça. Donc voilà pour cette chanson, amusez-vous bien, ciao.